Bonsoir, bonsoir à tous. Encore une fois, merci d'être là si nombreux. J'ai donc commencé ce concert avec une pièce composée par Régis Campo, qui, me semble-t-il, est par là. Voilà, il agite la main comme s'il avait gagné un échec. Cette pièce s'appelle « Laterna Magica ». Elle a été composée en référence aux lanternes magiques, ses ancêtres donc du cinéma. Il a vu en l'accordéon une analogie. C'est une boîte un peu magique qui permet de projeter des choses différentes, de la musique en l'occurrence, et il est allé un petit peu au-delà de toutes les possibilités de l'instrument. Vous voyez, il y a des percussions, il y a un petit peu tout, il va à bout de l'instrument. D'ailleurs, les luthiers le détestent parce que souvent ça casse un petit peu l'instrument, et moi je le déteste aussi un peu pour ça. Voilà. Donc maintenant c'est joué, on va pouvoir passer à de la vraie musique. Non mais je l'aime bien. On va remonter un peu le temps avec le baroque français, Jean-Philippe Rameau. Oui, et ne rigolez pas trop, c'est très sérieux, hein, Rameau, s'il vous plaît. Donc Jean-Philippe Rameau, la gavotte est si double, déjà ça jette un froid. Et la gavotte, c'est une danse baroque, normalement à deux temps, j'espère qu'elle le sera ce soir. Et les doubles, ce sont des variations. Il y a donc une gavotte et six variations, comme ça, vous voyez, vous avez même appris quelque chose ce soir, c'est formidable. Thank you.
Le morceau qui suit a été composé. Il n'y a pas un bruit là ? Arsène ! C'est pas moi. J'en étais où ? La pièce que je vais vous jouer maintenant a été composée à la période baroque. Il s'agit de la Chaconne de Jean-Sébastien Bach. Alors là, dans toutes les salles classiques, quand on dit la Chaconne, il y a un petit. Qui a dans la salle, là on l'a pas trop eu, donc je vais répéter, je vais jouer la Chaconne. Ouais, alors c'est pas trop synchro, hein, mais bon, passons. Donc cette Chaconne de Bach a été composée originellement pour le violon, et au 19e siècle, un pianiste qui s'appelle Ferruccio Busoni, il fait partie avec Liszt et Chopin des premières rockstars un peu du piano, les premiers à avoir fait des tournées partout dans le monde, à jouer leurs propres morceaux, leurs propres compositions, les gens allaient plus voir ces personnes-là pour ce qu'elles étaient en tant qu'interprètes que pour les compositeurs qu'elles jouaient. Et Ferruccio Busoni aimait beaucoup la musique de Bach, sauf que le problème, c'est que cette musique était vraiment impopulaire à ce moment-là. Les gens la jugeaient trop intellectuelle, trop savante, à une époque où ils préféraient avoir simplement du sentiment, de l'expressionnisme, des choses virtuoses. Et donc, pour quand même pouvoir présenter ces pièces au public, il a un peu arrangé, pourrait-on dire, cette Chaconne à la sauce romantique. Il a rajouté des chromatismes, de la virtuosité, des sentiments en veux-tu, en voilà, jusqu'à en fait romantiser cette Chaconne. Et ce soir, c'est cette version que je vous joue. Thank you.
j'adore quand des hommes m'offrent des roses. Alors, déjà, je tiens à vous remercier, parce que en applaudissant comme ça un peu longtemps, vous avez déjà fluidifié la transition sans vous en rendre compte, puisque, à présent, nous allons recevoir Lisa Strauss, que vous avez déjà pu découvrir dans son duo électrique tout à l'heure. Et là, vous voyez, ils sont en train de se mettre en place pendant que je vous parle. Et là, encore, vous ne vous en êtes pas rendu compte, et j'ai gagné 10 secondes, qui sont vraiment précieuses. Alors, maintenant, comment gagner du temps? En vous présentant la pièce qui vient, nous allons, en effet, jouer pour vous ce soir. N'est-ce pas sensationnel? Nous allons jouer le final de la sonate pour violoncelle de Dmitri Shostakovich. En temps normal, je ne dis pas Dmitri, mais là, il faut gagner du temps. Donc, Dmitri Shostakovich, compositeur russe du XXe siècle, il écrit cette sonate alors qu'il est assez jeune, mais on trouve déjà tous les éléments qui vont le caractériser dans son œuvre au fur et à mesure de sa vie. Je pense que nous sommes maintenant parés pour accueillir Lisa Strauss pour la sonate. Avec Lisa, nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. 8 ans d'amitié. En tout cas, c'est ce qu'on dit quand on est sur scène, ça vaut mieux que dire qu'on ne peut pas se blairer. Non, je rigole. En vrai, on s'aime bien. 8 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés au Conservatoire de Paris et on a vite joué ensemble, ce qui n'a pas plu à son père, mais on l'a quand même fait. Elle est même venue habiter un temps chez moi, et oui, ça ne lui a pas plu non plus à son père, mais on l'a quand même fait. Et c'est bon ? Eh ben c'est parfait, parfait. On est un peu loin, oui. Donc, je le disais, nous avons vécu ensemble avant d'entreprendre des voyages aux quatre coins du monde, au Brésil, en Italie, un peu partout, comme ça, nous avons écumé. C'est bon ? Il y a des fleurs ? Comment ? Il y a des fleurs ? Ah, je reconnais cette voix. Reste bien tranquille. Mais je vois rien. On va voir si on s'en chute. La distance. Thank you.
Nous sommes même allés à Paimpol, c'est vous dire, en Bretagne. Nous sommes allés également à Cernon. Quelqu'un sait où c'est Cernon? Oui. Où ça? Non, c'est en Gironde. Il va falloir revoir la géographie. Et ça tombe bien, parce que la pièce qui suit, c'est une pièce composée cette fois-ci par Thomas Grubitsch, qui est également dans la salle. Alors peut-être il peut faire coucou également. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Et donc Thomas, qui est d'origine argentine, il vit en France maintenant depuis de nombreuses années, et c'était en fait, alors peut-être il va être intimidé, mais c'était une rockstar en fait en Argentine à la fin des années 70. Il avait un groupe qui s'appelle Les Invisibles, et ils ont joué ensemble, et je vous conseille d'ailleurs de l'écouter. On peut maintenant le trouver sur les plateformes, c'est vraiment... C'est assez génial, je dois dire. Et donc, Thomas a énormément d'influences musicales. Le rock, je le disais, le tango, évidemment, la musique classique, la musique contemporaine. Et ça fait quelques fois qu'on collabore ensemble, et je lui ai demandé pour ce disque de composer trois pièces pour accordéon et électronique. Vous entendrez une bande qui est diffusée simultanément, au même moment pardon, que je joue. Et ces trois pièces ont des noms un petit peu, comment dire, pour le moins peu clair. La première s'appelle Tango Tangent. Et alors, comme je sais qu'on a des musiciens professionnels dans la salle, je vais vous dire le sous-titre que je dis rarement. C'est une conversation imaginée entre Osvaldo Pugliese et Arnold Schoenberg. Voilà, c'est tout de suite plus clair. Deuxième mouvement, c'est là que je vous parlais de géographie. Ça s'appelle Au bord du Nahuel Huapi. Et le Nahuel Huapi, comme chacun sait, c'est un lac, un endroit merveilleux en Argentine, absolument féerique. Et le troisième mouvement s'appelle À ce train-là. Vous pourrez lui demander ensuite pourquoi ces titres. En tout cas, la première fois que je l'ai vu sur scène, il était avec un trio avec piano, le trio Talweg, et il jouait certaines de ses compositions. À un moment donné, le violoniste Sébastien Surel lui tend le micro pour présenter ses œuvres. Et là, il dit, prends le micro. Écoutez, s'il y en a bien un qui n'a rien à dire sur la musique, c'est bien le compositeur. Et alors là, comme vous, vous vous dites, bon, il fait une petite blague et il va quand même raconter un truc derrière. Eh bien, le public attend encore, moi aussi. Et donc là, ce soir, je n'ai pas pris le risque de le faire monter sur scène pour présenter ses œuvres. Comment ?
Bon, il semblerait que la musique de Thomas Gobitsch ne passe pas par les enceintes. Je me sens un peu seul là tout de suite. Ouais. Bon, vous savez quoi? Je ne l'avais pas préparé, mais je vais vous jouer un morceau peut-être le temps que tu règles la chose. En fait, je t'entends vraiment pas dans le retour, pardon. Excellent. Ça c'est direct. Non, non, c'est pas possible. Ça. Je suis vraiment désolé, ça marchait très bien. Ça m'a pris le temps. Ben, sinon, lance-le avec un autre logiciel, je sais pas. Comment ? Alors, les fichiers audio sur le bureau. les fichiers audio, ils sont dans Concert Thionville. Thionville, ville du Gabon. Tu le vois ? Sinon, dans la barre, la spotlight, tu peux chercher direct Concert Thionville. Là, il y a deux fichiers. Un qui s'appelle Campon, un qui s'appelle Boobitch. Il faut lancer le Boobitch. Excellent. Ça marche. C'est là où Bon, aussi, Thomas, quelle idée d'écrire des pièces avec électro? Ah là, il faudrait que ça l'a fait. Bah, sinon, juste tu double-cliques et ça le lancera avec l'appli musique en fait. Comment ça marche pas? En revanche, on peut remettre au début. Thank you.
De la jouer quand même. Bon, merci, merci, et puis merci pour Thomas Grubitsch, on peut l'applaudir. À présent, un autre invité, un invité spécial, il s'agit du clarinettiste Florent. Quoi ? Ah, c'est pas pour moi qu'on parle, parce que j'ai du son dans l'oreillette qui est en bas. Voilà, c'est bon. Donc, Florent Héaud, grand clarinettiste,
qui part pour le monde depuis une trentaine d'années avec sa clarinette. Il a joué dans quasiment tous les pays du monde. Moi, j'avoue que ça me vend du rêve. Quand je l'ai rencontré, c'était en 2020. J'avais fait un concours pour une fondation, la Fondation Banque Populaire. D'ailleurs, je les salue, je crois qu'ils sont en nombre ce soir. Bravo. Et donc j'avais fait ce concours, et dans le jury, il y avait entre autres Florent Hayot. Et quelques mois plus tard, je reçois un appel. Bonjour, c'est Florent Hayot au téléphone. J'aimerais que nous fassions un concert ensemble. Alors là, bon, j'étais dans la rue. Faut pas lui dire, Florent, bouge-toi les oreilles, mais j'ai un peu sauté de joie. C'était vraiment inattendu et merveilleux pour moi. Et là-dessus, le Covid est tombé. Ce qui fait que le concert a été annulé. Je me suis dit, bon, dans un an, deux ans, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rejouer. Ce sera fini. Et en fait, non. On s'est dit que ce serait quand même chouette d'essayer. Donc, il est venu chez moi. On a travaillé quelques pièces. Et en fait, on s'est très bien entendu. Tant et si bien qu'on s'est dit, bon bah, puisqu'on peut pas jouer sur scène, autant faire des vidéos. Donc on s'est lancé dans cette aventure. Et un an et demi après, quand on a pu faire notre premier concert, ça faisait déjà un an et demi qu'on avait joué ensemble, on avait enregistré près d'une heure de programme, et on se regarde avant de monter sur scène, on se dit, mais en fait, là c'est notre premier concert, et on a déjà l'impression que ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Donc ce soir, ça en fait au moins 10 ou 15. Donc je vous demande d'applaudir Florent et aussi. Nous allons jouer, pour commencer, trois extraits des préludes de danse de Lutoslavski. Et ensuite, nous vous jouerons la Danson numéro 2 de Arturo Marquez. C'est un morceau tellement populaire au Mexique que c'est devenu le deuxième hymne, en fait, du pays. Thank you.
Thank you.
Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Vous trépignez d'impatience, je peux le sentir. Le moment des remerciements. Alors, pour faire ces remerciements, j'aimerais vous parler d'une nouvelle. Une nouvelle policière qui met en scène ma disparition. Et oui, j'ai disparu. Ai-je été kidnappé? Ai-je été torturé? Ai-je été assassiné? Non. Attention Thierry, parce que je n'ai pas encore dit ton âge. Alors, s'il te plaît, on reste tranquille. Et dans cette nouvelle, qui a été écrite par Yann Olivier, qui est le charmant monsieur qui vous a reçu tout à l'heure, c'est aussi un manager, c'est aussi un agent, c'est aussi un écrivain. Il a eu l'idée d'écrire cette nouvelle pour prendre la place du livret traditionnel dans les CD. Vous savez, vous n'avez peut-être plus beaucoup de CD aujourd'hui, mais à l'époque, les vrais savent, il y avait ces petits bouts de papier qui racontaient quelque chose à propos du disque. Et bien, pour ne pas avoir à mettre quelque chose d'un petit peu barbant, on s'était dit, allez, on va faire une nouvelle policière en mettant en scène ma disparition, et puis l'enquêtrice ira rencontrer tous les acteurs qui ont concouru au succès du disque, et ça fera en même temps les remerciements. Enfin bref, vous voyez la chose, c'était vraiment tout plié. Et il s'est tellement pris au jeu que quand on est allé voir le directeur du label pour lui montrer notre livret, il nous a dit, écoutez les enfants, c'est bien gentil tout ça, mais ça rentre pas. Et on lui a dit, d'accord, bah, on peut un peu élaguer, on peut raccourcir, combien il nous faut de caractère? 6 000. Bah oui, on va faire 6 000, mais là vous êtes à 150 000. Bon, donc vous comprenez un petit peu le problème. Donc finalement, on l'a sorti en podcast, avec la voix de l'iconique Céline Ronté. Alors, peut-être que le nom comme ça ne vous dit pas quelque chose, mais vous l'avez tous déjà entendu une fois. Elle est d'ailleurs dans la salle et on peut l'applaudir. Et en plus, c'est ma marraine. Donc, sous forme de podcast, 9 épisodes que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Nous en sommes pour l'instant à 4 épisodes de sortie et puis les autres arrivent jusqu'à la fin du mois. Comme ça, vous saurez un petit peu où j'en suis et ce qu'il m'est arrivé, parce que c'est très grave hein, entre nous. Et dans cette nouvelle, nous avons donc la mise en scène de tous les acteurs du disque, je le disais, et je vais vous lire les descriptions que Yann a écrite. Et votre jeu, après, à la sortie de ce concert, en plus, évidemment, d'acheter le disque, ça va être d'identifier un petit peu les personnes. Donc, Yann, il est présenté. Alors, toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Il est dessiné, défini, décrit comme quelqu'un à la silhouette redondante, enfoui sous un champignon atomique de cheveux blancs. Il a une cinquantaine bien tassée, une jolie manière de dire que son avenir se conjugue dorénavant au passé. Si vous l'avez repéré, on vous offre un disque. Ensuite, il y a le producteur de disques, mais il n'est pas là, donc on va passer. Il y a ensuite Denis Vautrin, l'ingénieur du son. Alors lui, c'est quelqu'un de tout à fait normal, ni libidineux, ni psychopathe, je crois, elle dit, ce qui est assez rare pour des ingénieurs du son. Ensuite, on a Marine qui redétrit. Marine, ma chère bookeuse, mon agent, puisqu'elle n'aime pas qu'on dise bookeuse. Je pense que c'est un peu comme si vous avez vu 10%, elle a envie qu'on dise impresario. Alors, Marine, dont la passion des chats n'a d'égal que son goût pour les jeunes et faibles, majeurs évidemment. Ensuite, nous avons Nelly Correa, qui est très polie, c'est la présidente de l'agence dans laquelle je travaille. Nous avons Thierry Messonnier. Alors Thierry, c'est celui qui fait un peu le bordel depuis tout à l'heure dans la salle. C'est à cause de lui d'ailleurs si la bande électro s'est pas lancée. D'ailleurs j'en profite, là on joue ensuite une autre pièce électro, donc peut-être on en est sûr. Être sûr que je me sente pas seul. Alors Thierry, il est très jeune. Thierry, il a même pas 30 ans. Et pourtant, il se demande encore ce qu'il fait dans ce métier. Il est attaché de presse. Nous avons ensuite Isabelle Gilloire, la belle Isabelle, dont l'échancrure du décolleté laisse à penser qu'elle a été tout bien préparée pour la signature des contrats. Nous avons ensuite les deux invités. Vous avez vu Lisa Strauss tout à l'heure. Il y a aussi le violoniste Luca Faolisi. Alors Lisa,
elle va émoustiller un petit peu notre enquêtrice. Et puis évidemment, il y a tant d'autres personnes qui ne sont pas dans la nouvelle, on ne pouvait pas tous les citer, mais je pense très fort ce soir à Mariana Ouadi, à la photographe Lisa Rose, au styliste François Hurtaud-Flamand, au réalisateur David Unger, au réalisateur Julien Hank, évidemment au Café de la Danse à Camille Moreau, et à tant d'autres. Voilà, c'est déjà fini les remerciements, votre moment préféré est passé. Il ne me reste plus qu'à présenter la dernière pièce. Je vais jouer deux pièces pour accordéon électronique, j'espère, de Régis Campo. La première s'appelle Ad Astra et la seconde Pagamania. Thank you.
Plein de disques, c'est chouette. Mais on sent tout de suite quand on a affaire à un public de connaisseurs. Thank you.
Thank you.